Ouais, vous ne rêvez pas les amis, je crois que ce parc d'attractions a l'air très 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 grand. C'est une belle musique ça. Eh bien c'est toutes et tous la même compagnie les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Excellent dimanche de Pentecôte, si tout se passe bien, cette vidéo sort dimanche. Pas du tout. Pas du tout, c'est impossible, elle sortira lundi. Bon lundi de Pentecôte en tout cas les amis, j'espère que vous n'êtes pas cassé les côtes et que vous avez réussi à monter la pente. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo visite découverte d'un parc d'attractions d'abonnés. La première fois que j'ai vu là ce que vous voyez sous les yeux, j'étais en mode mais waouh waouh waouh. Parce que c'est très très grand et ça prend un espace assez particulier. Vous voyez si on prend de la hauteur, ça fait un L quoi. Il n'y a rien au middle, tout est fait sur les côtés mais c'est énorme. Il y a énormément de coasters à ce que je suis en train de voir de haut. Attention c'est de haut. Il y a pas mal de flat ride également, on était dans cette tour juste avant là. Et puis il y a quand même des décors, il y a quand même des décors visiblement. Donc on va quand même voir ça. Là-bas il y a un coaster en stand-by visiblement. Écoutez, on va se mettre à l'entrée. L'entrée du parc elle est juste ici. Donc en tout cas voilà les gars, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Bon visionnage bien sûr. Donc le parc a été créé par Maxish Hooks, ça s'appelle Beautiful Land. Et il a pris 200 heures à faire ce parc. A savoir que moi j'ai 400 heures de jeu hein, sur Planet Coaster. Donc il a pris la moitié du temps que moi j'ai joué au jeu pour faire ce parc. Donc on va voir ensemble eh bien, ce que ça va donner. Donc voici pour l'entrée. Donc qui n'a pas de parking hein. Le parking je comprends parfaitement, c'est comme s'il était plus loin derrière. Franchement, voilà, pas besoin de se casser la tête. Là j'ai l'impression qu'il manque, pas du tout, il manque rien du tout. C'est la structure qui est faite comme ça. Alors de toute façon je crois que c'est très simple, c'est pas lui qui a fait ça. Si, est-ce que c'est un préfab ou est-ce que c'est lui qui a fait ça? Bonne question, bonne question. N'hésite pas à me dire en commentaire, Max. Ok, bon les petites fontaines sur l'entrée, on rentre par ici. Mais attendez, est-ce qu'on peut ouvrir le parc ou pas? Je trouve que ça manque de vie là. Ça manque de vie. Hop, j'ouvre le parc. Venez les enfants. Les enfants c'est l'heure. Ouais, tout le monde vient, c'est bon ça. Bon, et ce qui est pas mal c'est qu'on a déjà un grand 8. Ah oui non mais je suis en vitesse accélérée. Je me disais bien et je me suis dit waouh, il y a un problème. On a un grand 8 qu'on voit directement à l'entrée. Et ça c'est très très chouette ça. Ça c'est très très chouette, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Ah ouais. Bon maintenant qu'on prend la hauteur des visiteurs, tu vois déjà c'est très agréable. On a un petit pont, on a de l'eau et on a un coaster qui passe juste au-dessus de nous. Et ça c'est fort. Et ça c'est très très fort. Bon bah écoutez, on va suivre le chemin parce que j'imagine que par là on n'a pas le droit d'aller. Warning no way. M'en fous, j'y vais. Alors là c'est pour les employés, d'accord. Là on a une tour mais on n'a pas le droit d'y aller, d'accord. On n'a pas le droit d'y aller, comment se fait-ce? Strike, mais là il y a un coaster. Pourquoi on pourrait pas faire ce coaster? Il a l'air incroyable. Copper Raid Strike. Il a l'air génial ce coaster. Bah, il est peut-être pas terminé. M'en fous, on le fera quand même. On va essayer de faire tous les coasters. On va essayer de voir si c'est fluide et si on s'amuse. Parce que j'en ai aucune idée en fait. Ce qui est bien quand vous m'envoyez des parcs, je vous ai pas demandé dans le formulaire. Alors le lien est en description, n'hésitez pas. Mais je vous ai pas demandé dans le formulaire si vous êtes un coaster fan, si vous êtes un expert, si vous avez je ne sais combien d'heures de jeu. Moi je sais juste combien de temps vous avez passé sur le truc. Et puis si personne développe plus, je ne sais pas si vous êtes un amateur, un expert. Et donc c'est ça ce qui est rigolo et ça va permettre de voir justement si c'est un pro ou si c'est un amateur ou si c'est... Voilà, ça va être incroyable. Bon bah écoutez, on va déjà pas prendre ce chemin là. On va suivre du coup ce petit pont. On a une grande roue à droite mais on n'a pas le droit d'y aller non plus. Très bien. Donc faut vraiment se concentrer sur la zone à gauche. Ok, on a un petit carrefour avec un petit arbre d'acacia. Des fontaines qui ont été regroupées pour en faire une. Oh, bien ça. Ça, c'est sympa, ça. J'aime bien. Ok. Petit bateau échoué. On a, j'imagine, peut-être des toilettes. Je ne sais pas si c'est des toilettes. Non, c'est les premiers soins ici. Ok. Petite maison décorative. Et donc là, on est aux limites. Ça ne sert à rien d'aller là-bas. On va évidemment essayer de suivre le chemin précis. Alors bon là on va ouvrir. On va ouvrir. Qu'est-ce qu'on a là? Des toilettes. Pas du tout, maison des employés. Là les toilettes on les a. Bon ça c'est un préfab hein, je reconnais. Alors si c'est toi qui l'as fait toi-même, je m'excuse. Mais il y a un préfab qui ressemble à celui-ci. Milkshake, très bien. Moi j'ai hâte de faire le premier coaster hein. On est là pour ça. Parce que niveau décoration, bah on dirait un peu mon parc à moi. C'est-à-dire que c'est végétalisé, mais voilà, c'est un parc Planet Coaster. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas c'est pas un parc fait par Banaif ou quoi, en termes de décoration pour le moment, tu vois.
Et c'est comme moi, c'est comme et moi j'aime quand c'est simple comme ça. Et c'est très joli du coup. C'est ça la file d'attente? Ça m'a l'air d'être ça la file d'attente. On y va, tac tac tac. Donc là on suit le chemin. Donc voilà le parc à bœuf, c'est ça? Tac, passe au-dessus de l'eau. Voilà, très bien, et on y est. Bah écoutez les amis, on est parti directement. On va l'arrêter. Il y a qu'un seul wagon, c'est ça? Ok, Blue Falco. Un seul wagon, un seul train, je veux dire. Allez, on y va, on va voir comment ça va être. Le premier coaster. D'ailleurs, je me tâte. Est-ce qu'on prend la vue comme ça? Ah, ou est-ce qu'on prend la vue siège? Parce que la vue siège, elle peut jouer des tours, hein, vu qu'on est sur des côtés. Allez, on va prendre la vue siège. Jolie cascade, très jolie cascade là qu'on vient de voir. On va voir ça de plus près juste après. Et c'est parti pour la montée. À fond les ballons. On va afficher les résultats. Voilà. On est tipa. Il y a qu'un seul lift visiblement et on est parti. Wouhou. Le premier looping. Ok. Ah. Y a pas eu les effets de particules. Waouh. Là par contre ça va vite hein. Ok. On passe au-dessus des gens. Ok, en dessous du looping. Y a les airtime qui sont recherchés en tout cas. On essaye de nous faire décoller du siège. Ça c'est clair. Alors j'ai aimé le dynamisme. J'ai aimé le dynamisme. En tant que non pro, mais j'ai aimé le dynamisme parce que ça c'est vraiment les vrais coasters qui se terminent brutalement dans le sens où moi j'ai un problème avec Planet Coaster. Je suis tellement nul que à la fin générale des coasters, eh ben on est souvent très lent parce que ben voilà c'est la fin. Alors qu'en réalité c'est souvent très très dynamique pendant tout le parcours et à la fin ben ça freine quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, vous voyez ce que je veux dire, mais je m'exprime extrêmement mal. Donc pour ça, c'est nickel. J'ai juste trouvé, à la limite, j'ai juste trouvé ce 0G là. Je l'ai trouvé ultra violent, quoi. Genre vraiment, alors on va le refaire passer sous nos yeux ébahis. Je vais mettre en accéléré le temps qu'il revienne. Voilà, mais j'ai trouvé le 0G ultra violent. Hop, regardez. Ah, là il y a eu des splashs. Je l'ai trouvé ultra violent. Mais en vrai ça a l'air d'aller hein. Ouais, ça me paraît violent quand même mais... Eh vous en pensez quoi? Mais par contre j'ai kiffé. Relativement fluide quand même hein. Plus fluide que mes coasters à moi. Ça c'est d'une évidence hein. Mais par contre il y avait les particules d'eau. Je les ai pas vues tout à l'heure quand on a fait le tracé. Je comprends pas. Alors dommage que ce soit pas caché ça. Je sais pas si c'est un bug ou quoi. Ou si c'est normal. Mais c'est juste dommage que ce soit pas cassé. Caché pardon. Très jolie cascade d'eau ici donc ça c'est vraiment très très chouette. Il a pas utilisé les jets de particules, enfin les particules de cascade directement. Il a utilisé, qu'est-ce qu'il a utilisé? Regardons un petit peu là. Regardons un petit peu. Je ne trouve pas, là. J'en ai un là. Effet spécial trompe d'eau, voilà il a utilisé trompe d'eau moyenne. Ce qui est plutôt, plutôt réussi. En vrai de vrai ça rend super super bien. Oh on a les bûches qui nous attendent, incroyable. Coaster. Attendez, je vais ouvrir au public pour que les gens s'amusent. Moi je veux voir les gens s'amuser. Pourquoi je peux pas l'ouvrir au public ce truc là? Ah c'est pas relié. Ah mais c'est pas fini encore, il a vraiment pas relié Si c'est relié, qu'est-ce qu'il nous raconte? Relié l'entrée à l'allée. Ah non il a pas relié le bug. Bah alors frérot, pourquoi t'avais pas relié l'entrée? Moi je te fais ton parc hein frérot hein. Ok, allez c'est parti. Là regardez les gens commencent déjà à aller dans le coaster, c'est bon ça. Alors continuons par ici, donc on a les bûches à gauche. On a à droite un autre coaster que nous allons directement essayer. Ça se passe ici, très bien. C'est un petit peu comme ambiance tropicale également, j'ai l'impression hein. Et ça j'aime, vous savez que ça m'excite. Hop, on va le tester. On va se mettre dedans, alors pareil, on est en vue quoi là? D'accord. Attendez, je suis pas dans le bon wagon là, on se fout de moi ou quoi? Train numéro 2. Quoi? Pourquoi le numéro 2 il part en premier? Mais c'est très bizarre. Bon bah on va le laisser partir en premier. Ok. Attendez, je suis curieux là, il y a que deux trains? Ah oui, il y a que deux trains. Mais une capacité de 8 personnes. Donc ça fait 16 personnes sur le parcours. Ça demande du temps quand même hein. En termes de rentabilité, je sais pas du tout comment. Ouais, je suis en businessman, ouais, je suis en businessman, je vous le dis, ici ça business dur. Voilà. Pardon. Attendez, il faut que j'envoie un SMS. Cela dit, très risqué.
On a une belle vue en tout cas sur le... Bonsoir, sur le tropical. Juste ici là. C'est bon ça. C'est très très bon. Allez, on est parti. Je sais pas si j'aurais préféré mettre la vue des rails. On va se contenter de ça. Wouh! Ah bah oui, du coup, on reste droit. Ah, je déteste ça. C'est horrible. Ah ouais. Ah oui, si, si, ça, ça. Wouh! Voilà. Oh la vache, à la gigine. Oh! Ah ouais. Ah je n'aime pas du tout. Je pense dans la vraie vie je n'aimerais pas du tout ce truc là. Ça fait une sensation très 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 bizarre hein. Attendez, on la refait. On la refait mais justement avec la vue la vue qui se retourne alors qu'on n'est pas censé se retourner mais. Ah là, moi je préfère ça moi. Mais du coup le layout est ultra fluide hein. Je pense que les 200 heures ils sont passés par là. Voilà, et là il fait comme ça pour que nous on puisse se retourner dans les nacelles. Très 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 bien ça. Mais je préfère, j'aime pas du tout le... bon, je sais que ça existe en vrai, mais j'aime pas du tout ce coaster là. Ça me fait flipper de zinzin et c'est, je trouve que... Je sais pas, en tout cas j'en ai jamais fait de ma vie. Il faut que j'arrête de dire que j'aime pas des choses que je n'ai pas goûtées. qu'est-ce qu'on a là? Jungle Drift. C'est un kart ça. Alors c'est pas là l'entrée, c'est ici l'entrée. Donc là vous suivez... ce petit ponton qui est au-dessus de l'eau, bien sûr. On monte les escaliers. Jungle Drift. Ah, pas du tout, c'est pas un karting, c'est des bouées. C'est bon ça. Alors, on va ouvrir au public et on va se faire le parcours. Mais vous me connaissez, je le fais pas dedans parce que c'est chiant, on se fait chier. Alors, j'aimerais juste qu'ils partent, mais comme il y a personne qui vient, s'il y a des gens qui viennent. Vous voulez que je vous aide à aller plus vite, peut-être, messieurs? Ah, je peux pas les déplacer. Bah on va attendre qu'ils vont s'installer. Puis on va les suivre sur le parcours. Qui à mon avis doit être relativement bien thématisé en tout cas. On est parti, ça y est. C'est parti, vous pouvez y aller les enfants hein. Oh et maintenant il nous casse la tête lui. C'est bon quoi hein. Ah, ils sont partis. Allez c'est parti, je me mets en x2. Alors on a des torches de flammes sur les côtés. On est littéralement dans la forêt dans la forêt de Goupil. Ok. Mais j'aime bien qu'il y ait des musiques un peu partout là. Même si c'est les musiques du jeu de base, c'est quand même sympa. Parce que moi je pense pas à mettre les musiques. Parce que ça me plaît pas forcément de mettre les musiques de base du jeu. Mais c'est vrai qu'en vrai, ça rend pas mal. On passe sous une sorte... Ben voilà, sous une arche de pierre. Avec des racines un peu partout, de la cascade d'eau qui nous éclabousse, bien sûr. Bien fait ça. Attendez. Attendez, on est d'accord, il a utilisé, voilà, une base de fontaine. Ça c'est très intelligent, ça, bravo mec. Non mais c'est vrai. Cool. Oh le temple, c'est toi qui l'as fait toi-même ou tu l'as pris du workshop? Ah ah, bonne question, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Très très sympa en tout cas, en plus on a la vue sur les autres coasters. Lui j'ai hâte de le faire ce coaster là, je dis ça je dis rien. Ok, donc voilà on repasse à côté de ce temple un petit peu détruit. Un petit peu beaucoup. On a un lift, c'est le premier lift je crois. Il n'y en a pas eu jusqu'ici. Ah oui, ça va éclabousser là. Ouais, le feu et tout qui s'anime et tout, c'est bon ça. Bien joué ça, le timing c'est bon. Et après on se rafraîchit. Voilà, oh là là, la sauvegarde qui fait plaisir. C'est bon, et franchement bravo. Bravo quand même hein. Vous voyez ça descend un petit peu au fur et à mesure là. Les particules de partout. Les petites lumières bleues. Et franchement il a fait un taf de zinzin. En vrai je m'attendais pas vraiment à ça quoi. Je vais être honnête avec vous, quand j'avais vu le parc de loin, de haut, j'étais en mode bon voilà il a fait un truc expérimental. Mais en fait bah il s'est quand même gavé hein. Il s'est quand même gavé de ouf hein. C'est pas n'importe qui a fait ça quoi. C'est bon ça et puis ça tourne hein. Tourner manège quoi hein. Bon et puis là le dernier lift mais c'est pas vraiment un lift. Enfin voilà c'est la remontée pour arriver à la station. Voilà très bon ça. Très très bon. Vraiment sympa. Vraiment très sympa, un grand GG à toi. Bah tu vois t'attires absolument tout le monde. Oh la foule. Voilà. Ah ouais non mais là c'est blindax hein. C'est blindax de chez blindax. Bon on va reprendre la route principale. Juste ici. Bah là on a les bûches. On a les bûches. Bon voilà les stations ne sont pas faites de même pour la file d'attente hein, clairement. Mais waouh, c'est sympa ce geyser là. Alors regardons un petit peu le layout rapidement.
On part par ici, très bien. On a un petit lift là. Une boucle qui fait descente. C'est très fun. Est-ce que c'est dangereux? Je sais pas. Est-ce que ça existe dans la vraie vie? Je ne crois pas. Mais c'est très très fun. On a un vrai lift. Ça descend. Ah, c'est fun, c'est rigolo quoi. C'est pas les descentes classiques. Ah là, il y en a une de descente classique. Et là, c'est avec la bousse. Bon, là, ce qui est dommage, c'est que personne ne peut se mettre sur les côtés. Là, ça aurait été bien que des gens puissent se mettre sur les côtés et se fassent éclabousser. Et puis là, tu passes devant les visiteurs et tu as terminé juste ici. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, là, on a maison des employés, 100%. Voilà, et ça, c'est un préfab. Ça, c'est un préfab. Ça, c'est très sympa. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Je sais pas, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là? Si je monte là, c'est une sortie. Ah bah, il faut peut-être me... Oh, nice! Oh my god, on va se régaler. Alors, l'entrée, elle est là, du coup. Faudrait juste préciser l'entrée et la sortie. Parce qu'imagine le mec qui descend comme un connard. Enfin, qui monte comme un connard. Là, en plus, tu passes dans le coaster, là. Ça, j'aime bien, ça. Quand on passe dans le coaster, c'est cool. Bon, c'est très, très haut, mais c'est très cool. Allez, c'est parti! Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oh là! Siège. Voilà, on est parti. Je mets bien sûr les résultats des tests. 8 km/h, on prend les roues. 8 km/h toujours. On a les résultats déjà d'avance où on voit la satisfaction, l'enthousiasme à 3,83, pas beaucoup de nausées. Bon, de toute façon, il n'y a pas de looping. Par contre, là, je vois le coaster au fond là qui nous attend. Ah mon pote, ça va donner. Hein. Ah mon pote, ça va donner. Allez, c'est parti. On prend la chaîne. Non, et regardez-moi ce qui nous attend là-bas. Bon, là, on est sur quelque chose de très fou, à mon avis. Parce que ça, c'est la descente, hein, ça. Hein. Ça, c'est une section remontée crémaillère. Oui, oui. Là, c'est la descente. C'est un piqué. Hein. C'est un Gérard. Hein. Gérard piqué. Bah oui, bien sûr. J'avais pas besoin de préciser. Petit accéléré quand même. Allez, c'est parti. C'est parti, mon Kekos. Moi, ce que j'aime bien faire dans ce genre de moment, c'est laisser les mains en l'air et comme ça, je ressens le truc. Allez, c'est parti! Oula, oula! Oh. Wouhou! Ok! La vitesse est du coup bien gérée. Eh, ça me perturbe! J'arrive pas à savoir si on monte ou si on descend. C'est incroyable! Très bien. Et la vitesse, elle est ultra bien gérée. Ah, un peu brusque. Un peu brusque. Est-ce qu'on a vraiment ressenti des sensations? Enfin, est-ce qu'on a vraiment eu un réel plaisir? Est-ce que ça aurait pu être mieux pour avoir plus de plaisir? Moi, je dis oui, parce que au vu de comment il arrive à faire des layouts, je trouve vraiment le layout réussi. En termes de fluidité, en termes de... Il gère la vitesse, frère. Il gère la vitesse de ouf, quoi. Vraiment, hein. Donc, je pense clairement qu'il peut faire mieux. Mais si j'arrivais à faire ça, ce serait incroyable. J'arrive pas à faire ça. Un truc comme ça, c'est impossible. Comment il gère la vitesse, ça me fume, quoi. C'est super bien géré. Donc, limite, je me dis, il manque encore des petits... Tu vois, moi, je dirais qu'il manque ça, quoi. Mais pour le reste, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. Hop, j'ouvre. Incroyable. Bravo, hein. Franchement, bravo. Hein. Bon, là, on a un petit flat ride. Vas-y, j'ouvre. Ouvre tout, frérot. Ça. Ça. Non, ça. En ça. Talat. Talat, c'est par ici. C'est pas par ici. Elle est où, l'entrée? Ah, bah, y a pas d'entrée encore. Y a pas d'entrée. Vas-y, c'est une exclue. C'est une exclue, on essaye. Allez, go. Attends. Je suis un peu curieux, je me prends le truc dans la gueule ou pas? Ah non, c'est bon. Non, non, mais je sais pas, je me suis dit que là, ça me paraissait très serré. Allez, go! Ça va être trop bien. Et les couleurs, elles sont super bien choisies. Hein. Le bleu et le jaune comme ça, c'est magnifique. Hein. On dirait un dragon. Attends, comment il a fait ça, là? Non, mais là, par contre, je suis désolé, mais je suis en train de découvrir des trucs. On peut faire ça? J'ai toujours rêvé de pouvoir faire arrêter le train avant le... Bah oui, il a utilisé une zone de freinage, c'est ça? Mais c'est du génie.
Mais c'est totalement du génie. J'ai jamais fait ça. C'est incroyable. Allez, hey, je kiffe, hein. Je kiffe ma race, hein. Pour le coup, je vais changer de lumière, regarde. Rose. Ok. Wouh. Waouh. Voilà, on s'est pris léger. Ça fait toujours du bien, là. C'est parti. Ah oui, voilà. D'accord. Ok. Ah. Ça n'a pas été fluidifié, alors. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que c'est pas ouvert. C'est bon ça. Ah oui d'accord. Ça c'est si t'en as marre de la vie, tu fais le talat et la vie te hâte. Non franchement mais par contre du coup bah de même hein, niveau layout, c'est vraiment pas mal. Je sais pas du tout si c'est des inspirations ou si c'est vraiment de l'imagination pure et dure, mais si tel est le cas, je trouve que vraiment les tracés sont vraiment vraiment cool quoi. Je veux dire, l'idée des tracés sont vraiment géniales. J'ai pas cette imagination là. Il fait des trucs, t'as vu, c'est... Moi je m'étale à chaque fois que je fais un coaster, je m'étale. Ça ne sert à rien. Lui il fait comme il faut, il s'étale pas et pourtant le truc il dure je sais pas combien de temps. La vitesse elle est toujours aussi intense. Donc franchement c'est très 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 propre. Mais du coup ouais, pas fluidifié j'imagine encore. Moi quand je fluidifie mes coasters, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est une catastrophe. Lui je sais pas comment il fait pour réussir à fluidifier. Bref, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là. Ah ben on a comme le... Alors je sais plus comment ça s'appelle, on va même pas le faire. Bah si, on va le faire, de toute façon. Mais bon, vous connaissez, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est juste un aller-retour. Mais ça décapote. Attends, je vais voir la vitesse qu'il va prendre. Ok, c'est parti. À fond les ballons. 130, c'est raisonnable. En plus, voilà, niveau hauteur, c'est bon, j'en ai pas. Et voilà le travail. Très très bien, très très bien, très très bien. Ça, je... Dans la vraie vie, je sais qu'apparemment c'est incroyable. Alors, il y a deux parcs qui l'ont, mais je crois. Mais je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de faire toute une queue de je ne sais combien de temps juste pour ça. Juste pour ça. Je sais pas. Et je me dis, ça vaut peut-être pas le coup, quoi. Je veux dire, moi, j'étais déjà dans une Tesla. Bon, voilà. J'ai pas eu besoin de faire une file d'attente pour faire ça. Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas. Après aussi, je sais que là, en l'occurrence, là, du coup, il est moins haut. Je crois que dans la... Ah, quoique, je sais pas. Mais je sais que dans un des deux parcs où il y a ça, en tout cas, que j'imagine, il y a un retournement sur la descente, si je dis pas de bêtises. Là où il y en a pas ici. Mais en tout cas voilà, très très chouette. Je vais l'ouvrir là, comme ça les gens ils seront contents. Ensuite. Mais ça part dans tous les sens, je sais même plus où je vais. Je sais même plus où je vais. Moi je veux faire le grand là, je veux faire ça. On a fait ça, tout le monde y va, c'est bon ça. Allez on frenzy, hop. Je fais même plus, vous avez vu, en fait là on est vraiment sur un parc de type c'est génial, les coasters sont géniaux quoi. Du coup je fais même plus attention au parc en lui-même, la thématisation. On va essayer de faire gaffe après. Mais vous voyez, limite, c'est même plus si intéressant que ça. Enfin, là, on est à fond sur les coasters. Autant il y a des parcs où c'est plutôt visuel, où on fait super attention à ça. Il y a des parcs où c'est les deux ensemble et c'est juste parfait. Là, en l'occurrence, c'est plus un parc où je me régale à voir les coasters. Parce que c'est du génie, tout ça, tout simplement. Je mets en accéléré hein, le temps que ça parte. Là, ça va décapoter. Hein. Ça va décapoter. Hein. Déjà, la montée, elle est incroyable. On sait que la descente, c'est un piqué comme ça. Hein. Assez long, en plus. Donc on va voir, on va se permettre un petit accéléré sur ces 15 km/h parce que là on est en train d'aller au 7ème ciel mon pote hein. Là on est au 7ème ciel, oh mon dieu, mais jamais de la vie tu vas aussi haut, non? Ça existe pas ça, si? Enfin, en tout cas moi j'irai jamais de la vie hein. Jamais de la vie j'irai là-dedans hein. Que ça existe ou non, mais frère regarde, t'arrives à voir les... T'es aux États-Unis, t'arrives à voir la France de... N'oubliez pas le pouce bleu hein, à cette vidéo si elle vous plaît. Voilà, bah c'est parti en tout cas mon kiki. Là je suis mort déjà là hein. J'ai pas besoin de faire la descente, je suis déjà mort, c'est bon. Ok, c'est parti. C'est parti. Wouh. Oh, et la force qu'on doit se prendre là dans les dents là. Wouah. Là tu reprends ton souffle, ça repart direct hein.
Là tu inspires. Ah ouais, c'est mortel. C'est mortel de dingues. C'est mortel de dingues. Mais encore une fois, les vitesses sont ultra bien gérées, hein, je trouve. Après voilà, c'est immense, je sais pas si ça existe ça. Bon là ça va mieux là, hein. Ça va mieux. Ça s'appelle comment cette figure là, je sais plus. Mais c'est un préfab, hein, je reconnais, hein. Viens pas me dire que tu l'as fait tout seul celle-là. C'est bon ça. C'est bon ça. Alors j'allais dire que c'était simple, efficace. Bon, c'est complexe. Mais c'est simple dans l'idée. Dans l'idée c'est simple. Mais c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Pour le moment, dites-moi, c'est quoi votre coaster préféré? Moi, mon coaster préféré, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Bah non, du coup, c'est pas le bleu. Bah c'est celui-là que pour moi j'ai trouvé le plus réussi pour le moment. Comme dit, peut faire mieux du coup, vu ce qu'il nous fait. Ah là, on a une piste de karting. On peut voir un petit peu comment c'est fait. Avec, ok, les virages ici, la chicane ici. Une boucle, ça monte. Mais il y a un coaster qui passe juste au-dessus. Ah putain, mais c'est le coaster. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est ultra flippant. Tu passes là en karting, t'as le machin qui te fonce à 200 là. Ok, d'accord. Ok. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait. En fait, le parc est pas si grand que ça. Hein. C'est. Bon, je vous ai déjà fait l'analyse dans la dernière vidéo, mais quand tu connais pas et que tu vois, tu fais waouh. Et en fait, après, une fois que tu connais, tu te dis ah oui, ça va. Donc voilà, petit décor assez, assez simpliste hein, pour le parc, hein, pour le coup, mais toujours efficace quand même. Là, c'est vraiment. Tu sais que c'est un parc Planet Coaster, tu vois. C'est vraiment très très sympa. Là, on a une tour infernale. Très bien, très bien. Mais il faut ouvrir là, il y a personne qui vient là. Faut les faire venir, les visiteurs là, ça manque de vie. Ouais, les petits bancs, les petits espaces. En fait, on dirait. C'est marrant, on dirait mon tout premier parc d'attraction que j'ai fait, souvenez-vous. On dirait mon tout premier parc d'attraction. Mais par contre, jamais de la vie, j'avais fait des coasters aussi, aussi bien que lui. Hein. Mais voilà, là, on a pareil. Mais oui, mais c'est ça, regarde, il a rassemblé les. Comme moi. Mon tout premier par attraction. Petite boutique là. Je croyais que c'était des motos. Ok, des toilettes. Préfab. Préfab. Qu'est-ce qu'on a là? Très bien. Plein de. Ouais, bah, plein de trucs qui ont été disposés. Là, on a un boomerang, c'est ça? Je déteste. Mais non, pas du tout. Ah, si, c'est un boomerang. Mais avec la tête. Enfin, avec les jambes en l'air là. Ok. Les jambes en l'air, ça s'appelle un boomerang inversé, bien vu. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Donc là, on va en arrière, je déteste ça également. Hein. Je déteste ces attractions-là. Mais bon, ainsi va la vie. Allez, on recule sur du moins 8, on fait un petit moonwalk à la Michael Jackson. Hihi. Oh, Billie Jean, it's not my lover. Wow, on va où là quand même? Voilà, on va s'en arrêter là. Et c'est parti! 100 km/h de la station. Le premier looping. Oh! Je crois que je regarde un truc. Waouh, 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 waouh! Ça va pas la tête? Et hop, on revient en arrière. Ça, c'est si jamais t'as pas bien digéré la vrille que tu viens de te prendre, bah c'est pas grave, tu la refais direct. Dès le début, comme ça t'es tranquille. Comme ça c'est fait. Ah t'as pas le temps de respirer, ça repart direct. C'est violent quand même là. Non? En vrai c'est violent non? Les forces G j'ai l'impression qu'elles sont bonnes. Mais en même temps je trouve que c'est quand même très violent hein. Enfin cool, voilà. Allez, salut à toutes et à tous, il est 16h. Bah c'est cool ça, c'est très très cool. Peut-être un peu trop violent quand même, non? Moi j'ai trouvé ça peut-être un petit peu trop violent. Bon, j'avais pas fait attention à ce truc là. Ok. Vas-y, on va voir. Hein. On va voir l'entrée, elle a l'air d'être là. C'est pas évident de savoir si c'est l'entrée, donc... Donc voilà, mais franchement, Matt, il a géré pour les coasters. Vous en pensez quoi? Alors, on va pas faire la conclusion encore, là. Hein. Mais moi, je trouve franchement, bravo. Hein. Bravo, bravo, bravo. Wesh, la longueur.
fait mal à longueur du truc, quoi. On dirait ma queue. Allez, on y va. C'est parti, mon Kekos. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a refait l'arrêt. Mais ça, c'est génial, ça. Le fait que ça s'arrête avant... Ah oui, je voulais regarder un truc. Ah oui, c'est ça, il a construit, regardez. Il a construit. Ah non, ça fait partie du coaster, ça? Ce truc-là, là, ce support, c'est lui qui l'a fait ou ça fait partie du... Ah non, ça fait partie du coaster? Ah oui, ça tient dans le vide. Ah, je pensais que c'était vraiment... Parce que je trouvais ça vraiment chouette d'avoir mis ça. Mais en fait, c'est un bug. Enfin, je crois. Bon, on n'est pas là pour ça. Ouais, je disais, c'est vraiment cool le fait que ça s'arrête avant le avant la chaîne. Parce que c'est souvent comme ça quand tu montes et... Le temps que ça accroche et hop, ça y va. Moi, je trouve ça trop kiffant et je voulais trop pouvoir faire ça dans mes coasters. Et j'ai jamais trouvé la solution. Eh bien, maintenant... À chaque parc que je visite, je pompe toujours des idées. Moi, je suis un gros pompeur. Faut le savoir. 23 km/h. C'est parti. Ah oui. Donc pareil, un gros piqué comme Gérard. Hein. Et puis ça part, quoi. Blue Fire. Je dis ça parce qu'on passe dans le... Eh, y a de l'idée, là. C'est bon, ça. Hop, ça repart. En plus, tu croises les autres trains. Et ça, c'est bon, ça. C'est vraiment des hyper... on appelle ça des hyper coasters, c'est ça? Si j'ai pas de bêtises. Ouais, moi, je trouve que ça manque de virage à droite. Je trouve. Après, je suis très fan des virages à droite, moi. En tant que motard. Wow, l'avion! Mais frère! Faut que je vous dise un truc après. Eh, il est long, hein, le layout, hein. Hop là, on se prend la barre dans la gueule, on est mort. Bon, t'inquiète, on est déjà mort depuis tout à l'heure, mais c'est bon, ça. Hop, petite zone de freinage. Ah, venez pas me dire que c'est... Je pense pas que ce soit tout à fait normal, ça. Très kiffant. Eh, la vérité, la tête de Wham. Je vous ai dit tout à l'heure que ce parc, on dirait mon tout premier parc que j'ai fait. Frère, regardez ce qu'il a fait. Il a mis un avion de chasse. Alors d'ailleurs, bravo parce qu'il a utilisé des rectangles, ici et ça. Enfin, des formes géométriques. Il a mis ça sur des tubes d'échafaudage. Donc bref, pour faire des colonnes, des piliers, pour les mettre en hauteur. Est-ce que ceux qui me suivent depuis genre il y a un an là, un an et demi, quand enfin ou deux ans, je sais même plus quand j'ai commencé Planet Coaster. Est-ce que vous vous souvenez ou pas quand j'ai commencé Planet Coaster, j'avais fait un pareil un coaster de zinzin, bon du coup pas aussi bien, mais j'avais fait un coaster qui allait super haut, c'était n'importe quoi et tout. J'avais fait pareil, j'avais mis des avions comme ça sur des piliers en hauteur en haut. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est trop marrant. C'est exactement, on dirait mon parc à moi, mon tout premier parc, mais bon en mille fois mieux quand même. C'est un truc de ouf, non? Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal. Manque plus que ce coaster rouge là qui à mon avis va nous faire absolument gerber. Même si là du coup, oh il a fait un accès ici. Oula. Voilà, c'est la sortie, ça tombe bien. L'entrée n'est pas encore reliée. Ah si, l'entrée est là. Oh là là. Bon bah écoutez, oh il part direct. Ah non, je me suis trompé de wagon. Voilà. Ah, regardez pas les résultats des tests, c'est pas le bon train, c'est pas grave. Allez, on y va. Je vais en accélérer. Accélérer. Rappeler. On a la petite attente. On voit l'autre coaster qui passe. Le train. Les voitures là. Je sais plus comment ça s'appelle. Hop. C'est parti. Wouhou. Allez, let's go. La tête de Wham, je me chie dessus. Hein. Tu passes au-dessus des gens, c'est bon ça. Par contre, c'est dommage qu'on voie pas de ouf là. Voilà. 0G. J'ai rosé. C'est bon ça. J'ai rosé.
0G. Vrille. Préfab. Je sais que c'est un préfab ça. Je les reconnais moi maintenant, c'est pas lui qui l'a fait ce virage. Et viens pas me dire le contraire hein. C'est bon ça. Et ben pourquoi pas, j'ai envie de dire. Par contre, très dangereux, bah le fait que ça s'arrête dans la station par contre. Il faudrait que ça s'arrête avant. Parce que là, si t'en as un qui est dedans pour quelconque raison, t'es mort. Alors je sais qu'il y a une zone de freinage plus tôt, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une zone de freinage là, quelque part dans le parcours. Mais je trouve ça quand même un peu dangereux. Voilà, en tant qu'expert sécurité. Plutôt pas mal en tout cas. Et moi j'ai kiffé. Alors, celui-là... Ah oui, celui-là fluidifié, ce sera incroyable, vraiment. Bon, ça, du coup, vous connaissez mon avis, mais c'est pas contre son layout, c'est contre le coaster en lui-même. C'est vrai que celui-là, il était quand même bien, le tout premier qu'on a fait. Ah, on va essayer celui-là, du coup. Et celui-là aussi. Attends, il en reste encore deux. Et puis, il y en a un autre là-bas aussi. De toute façon, on s'en fout du parc, là. T'as vu? Je suis désolé. Limite, on s'en fout du parc. Moi, je fais juste les c'est les coasters, moi. Tu me régales avec tes coasters, frérot. Wouhou! Et on commence avec la petite vrille là pour bien se mettre là, tu vois, ça fait plaisir. Très très fluide en plus là. On va avoir une propulsion. Et en plus dans une thématisation mais aux petits oignons quoi. On met pause parce que c'est magnifique. Oh trop bien, ça va exploser, c'est ça? C'est magnifique, allez. Ah il y a des haut-parleurs et tout, il a géré hein. C'est parti! Ouais! Oh. Et ça part. On décolle du siège. Joli airtime. Ok, ça décale, ça décapite, ça décapote. Ok, sur la droite, sur la droite gauche. Ok, c'est bon ça. Et hop. Et on décolle. Propulsion. On redécolle. Ok. On redécolle. Non, ça va. Sur la gauche. Ah, un petit coup à l'envers. Ah, j'adore. Le looping. Eh. Ok, presque. C'était pas un 0G ça. Un 0G, pardon. Wow, wow, oh. Non, non, pas ça. On fait pas ça. Wouh. Wouh. Ok. J'adore la musique. C'est excellent. Mon coaster préféré, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Eh, mon coaster préféré, juste la deuxième partie, vous avez vu, et je pense que c'est pour ça que c'est pas encore ouvert. Je crois que la deuxième partie n'est pas encore fluidifiée, parce que la première partie était parfaite, hein. Et à partir du moment où j'ai dit, oh non pas ça, parce que c'était quand même vachement brutal et tout, à partir de là je pense que c'est pas encore fluidifié aux petits oignons. Mais attends, mais c'est magnifique ce qu'il a fait. Là c'est un vrai coaster. C'est un vrai coaster qui provoque les sensations, avec justement ces petits pranks. Moi j'appelle ça des pranks. Je sais pas comment vous appelez ça, les coaster fans. Vous savez où ça te fait une sensation, tu sais, tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose et en fait il se passe pas ça. Genre par exemple le looping, tu t'attends à ce qu'il fasse d'une certaine vitesse et au final il te prank. Pendant un petit moment tu restes en l'air. Et il y avait d'autres scènes comme ça où t'as l'impression que tu vas partir à droite et en fait tu pars à gauche. Avec la musique ça rend super bien. C'est génial. Tu vois, regarde, t'as l'impression que là il se fout de ta gueule, le coaster un peu, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'adore. C'est une histoire ça. Ça c'est une histoire. Ça j'aime. Tu vois, genre là par exemple, là je m'attendais à ce que ça fasse un tout droit, un 0G. Et en fait par exemple c'est parti à droite. C'est tout con. Tu vois, moi j'appelle ça des pranks, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous avez le terme, si ça existe d'ailleurs ce terme. Moi c'est comme ça que je le ressens et ça c'est un plaisir. Bah vous avez vu ma tête je pense durant le coaster. Mon coaster préféré hein. Mon coaster, bravo hein. Mais dès le départ, tu sais que ça va être... Enfin non, tu sais pas que ça va être incroyable en vrai. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça en vrai. Incroyable. Vas-y, on va... Oh les motos. Wow. C'est bon ça. Je sais pas si on va le faire. On va juste le regarder, c'est pas mal. Ah ouais, parce que t'en as un rouge et un bleu, ils font la course en même temps, d'accord. Ça j'aime bien ça, j'avais déjà essayé de faire ça, vous ne le savez pas mais j'avais déjà essayé de faire ça. Et en fait le problème c'est que déjà de base sur un coaster j'arrive pas à rendre ça bien. Alors faire deux coasters en parallèle en même temps, très très compliqué pour moi. Et les deux arrivent au même moment, donc déjà bravo pour ça hein. Ok, top ça.
Beautiful Land. Oh, c'est mignon. Oh, mais c'est une bonne idée ça. Pourquoi j'y ai jamais pensé d'écrire avec des fleurs? Je suis complètement débile, moi. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Est-ce que c'est toi qui as fabriqué ça là, tout ça? Est-ce que c'est un préfab peut-être ou est-ce que c'est toi? Je ne sais pas. J'aime beaucoup ce chalet. Hôtel. J'arrive pas à lire ce qui est écrit, donc je vais tricher. Hôtel Edelweiss. Ah! Ya! Ok! Ah bah c'est top! Et par contre j'ai vraiment kiffé ce coaster. Les amis, on va se quitter. On va refaire le layout, je m'en bats les steaks. J'ai adoré, bravo! Et franchement, bravo! Beautiful Land par Maxi Choux. Bravo Max! Les 200 heures, je comprends hein, parfaitement. Incroyable. Les amis, n'oubliez pas le like. À dire ce que vous avez pensé en commentaire, eh bien, de ce parc d'attractions. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Le lien est en description pour proposer vos maps. Plein de bisous, les amis. Et bon lundi. Ciao tout le monde.